Everyone. Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nostrebar. Aujourd'hui, nous allons parler de démons sous forme humaine. Savez-vous que souvent, nous sommes visités par des personnes qui ne sont pas comme nous, mais qui ont notre forme. Il y a un ami, un collègue qui parlait de démons sous forme humaine. Du genre, des démons qui quittent carrément leur monde pour venir dans notre monde, s'amuser avec les filles, faire tout ce qu'ils ont envie de faire et partir. Et ces démons-là peuvent même avoir des enfants avec des humains. Et quand ces démons ont des enfants avec des humains ici, ce qui se passe, c'est qu'on appelle ces enfants-là des hommes démons. C'est étrange. Mais ce témoin puissant va nous aider à comprendre cette affaire et découvrir que vraiment, il y a des choses étranges dans notre planète, sur notre planète, que nous avons vraiment besoin de découvrir. Ici, une personne va être tuée par un homme de Dieu à cause d'un problème que cette personne-là a. En fait, cette personne-là a la sorcellerie. Et elle est venue chez le pasteur pour la délivrance. Mais pendant que le pasteur sera en train de tout mettre en œuvre pour que la délivrance soit totale et durable, voici que une personne qui se trouve dans le monde des ténèbres va quitter leur monde et venir ici. Ça, c'est une histoire qui va nous permettre de comprendre au mieux ce de quoi il s'agit. C'est un truc hors du commun, mais son témoignage est vraiment étrange. Tout ça pour que nous puissions prier et quand même faire très attention. La vie des débauches, ce qu'on appelle chez nous, qui tire sur tout ce qui bouge, ça, c'est une mauvaise affaire. Parce que cette affaire peut vous permettre de rencontrer même des revenants. On a des gens qui sont morts, les démons sont les points de leur corps et venir dans ce monde. Vraiment, c'est grave. Comme ce témoignage parlera de beaucoup de choses qui risquent de faire peur à beaucoup de personnes, nous allons prier et demander à Dieu lui-même de nous aider dans ce témoignage puissant. Alors les yeux fermés, nous sommes tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous donner ta force. Viens nous donner ce qu'il faut afin que nous soyons forts. Donne-nous ton courage, donne-nous ta puissance. Et donne-nous de ne pas être faibles face au péché et à la tentation même. Délivre-nous de tous les plans du diable et des mauvaises choses qui ont lieu sur la terre. Viens nous garder et éloigne de nous tout ce qui ne te glorifie pas. Que ton Saint-Esprit nous visite toujours. Que toi-même, tu sois avec nous comme tu nous as promis. Veille sur nos enfants, veille sur notre famille, que ta main puissante nous garde et nous délivre toujours des pièges de nos ennemis. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités, que tout ce qu'on a fait consciemment ou inconsciemment, qui nous condamne, Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous aujourd'hui, délivre-nous, fais-nous découvrir toutes ces choses afin que nous ne puissions plus tomber dans le même péché. Que ta grâce et ta main puissante, que ta faveur nous accompagne tous les jours de notre vie. Bénis toutes les personnes qui regardent nos vidéos. Bénis toutes les personnes qui se sont abonnées. Ce sont tes enfants. Nous te les confions. Garde-nous et donne-nous la force de résister à la tentation. Donne-nous la force de pouvoir écouter ta parole avec amour, avec envie. Que toi, mais tu nous donnes la force de mettre en application tout ce que tu nous as demandé de faire pour que notre âme soit sauvée et que le diable n'ait pas à nous accuser devant Dieu. Amen. Apprécie mes frères et sœurs.
Ah, mais mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous sommes dans un temps puissant, soyez prêts. Mes frères et sœurs, ces temps-ci, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et nous devons prier. Nous devons prier et chasser tous ces mauvais esprits, toutes ces mauvaises choses qui frappent le monde. Des morts par-ci et des morts par-là. Nous ne comprenons rien. Vraiment, c'est grave. Maintenant, nous allons écouter ce témoignage. Ce texte sataniste va nous expliquer comment est-ce que le diable a visité au travers d'une femme qui se trouve dans le monde des ténèbres. Vous serez même surpris. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, informez les amis que vous regardez ça, et nous allons découvrir des vraies choses comme ça la semaine prochaine, afin que ça nous ouvre les yeux. Restez connectés. Quand vous abonnez, activez la cloche pour ne pas manquer les notifications sur les sorties de nos prochaines vidéos. Sur ce, c'est parti. Écoutons ensemble. Let's go. En année 99, chez mes parents, ils ont vu une Jeep blanche qui s'était arrêtée. Wow. Une fille est venue leur demander où se trouvait Kalumba. Dans l'année 1999, il y a eu quelque chose dans sa famille. En fait, ils ont vu une fille qui est arrivée avec une voiture de luxe. Et elle est venue pour voir sa famille. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Vous allez tout comprendre. En fait, elle était venue le chercher. Écoutez bien. Et mes parents croyaient, comme je travaille avec les autorités, il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme. Alors, moi. Une femme est descendue du véhicule en disant qu'elle s'appelait Hélène, elle travaillait avec moi. Sur sa place, sur ma place, il n'y avait personne. Elle a supplié à mes parents de me chercher en leur donnant deux pagnes, 500 dollars et aussi un sac de riz en leur disant s'ils si me trouvaient, ils devaient avoir plus que ça. Oh, c'était le démon lui-même qui a pris la chair humaine qui est venue visiter ma famille. Hein? Oh, c'était le démon qui avait pris la chair humaine et qui est venu visiter sa famille. Et ce démon-là a pris la forme d'une femme très jolie avec une très belle voiture. Vous avez vu ça? Les vrais chrétiens, soyez prudents, hein? Quand à l'église, les jeunes filles viennent pour vous séduire, surtout les femmes qui ont de l'argent, elles viennent pour vous séduire, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a même des démons qui viennent aussi vous visiter. Faites attention. Faites vraiment, faisons tous attention ici. L'argent, c'est un grand démon. Alors, l'argent avait amené des désordres. Moi, j'ai dit, c'est Dieu qui m'avait beaucoup aimé. Ils se sont tous rencontrés. Alors, s'il revient, on va encore lui donner de l'argent. Quand on commence à le chercher, il va encore revenir. Qu'on se partage cet argent. Ils se sont partagés l'argent. Et après des jours, je suis rentré. On avait reçu votre secrétaire. Déjà, je comprends ça. Non, démon, il va visiter. Il va visiter. Il va visiter. Il va visiter. Alors c'est comme ça que quand j'étais rentré, ma mère m'a expliqué, il y avait une certaine Hélène qui était venue ici. J'étais étonné, enfin je n'ai jamais travaillé avec Hélène. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce qu'il vous avait, elle vous avait dit? Non, elle m'a dit que on est en train de t'attendre parce que ta place elle est encore vide, on attend que toi. Qu'est-ce qu'elle vous avait donné de l'argent et des pagnes? Tes grands frères ont consommé l'argent, il n'y a que les pagnes. J'ai demandé à ma mère d'amener les pagnes dans le mal ou dans la valise où il met ses habits, il n'y avait pas ces pagnes là-bas. Hein? Les pagnes là ont disparu.
Vous avez entendu ça? Donc c'était juste une, c'était, ils ont, elle a juste, c'était juste de l'illusion. Hein? Quel est le problème de cette femme? En fait, voici le monsieur, il était dans un groupe de sorciers. Lui, il occupait un poste très important là-bas. Et voici qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a décidé de se retirer parce qu'il a vu l'un de ses amis, grand sorcier qu'il suivait, qui est mort. Et il a vu où son ami est parti après sa mort. Les gens l'ont. Il a vu des démons en train de le frapper là-bas, frapper sérieusement cet homme. Et il était même dans une prison après la mort. Donc il a fini de servir le diable. Et au final, il se retrouve dans une grande prison là-bas où les démons sont en train de le torturer. Quand lui a vu ça, il s'est dit que le diable n'est pas reconnaissant et qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour pouvoir sortir. C'est là qu'il a décidé d'abandonner son travail parce qu'il travaillait avec un homme mystique qui se trouvait même dans le gouvernement. Vous voyez sa position? Et voici qu'il a décidé de se retirer. Et comme les démons, il ne veut pas laisser l'affaire, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour venir le récupérer encore. Mais en ce moment-là, le pasteur aussi était chaud. Le pasteur voulait tout mettre en œuvre pour que cet homme-là soit délivré. Mais regardez ce qui se passe. Le démon a quitté le monde des ténèbres là-bas. Il est maintenant venu dans sa famille avec de belles choses pour pouvoir le séduire. Mais comme vous avez vu, même les pailles qu'elle a données ont disparu après. Vraiment, vous avez vu comme ce que le diable donne, c'est éphémère. C'était une femme vraiment terrible. Il est au cas de délivrance. À cette époque, à l'époque de ma délivrance, on était à la montagne avec les pasteurs à Kampoum. C'était à l'époque de la délivrance, je ne connaissais pas les choses de Dieu. J'étais dans un jeûne de 4 jours où je ne buvais pas, je ne mangeais pas. Et le 4e jour, je n'ai pas su supporter. Nafika pa mulima mimi naanza kuwaza byakuria. À la montagne, j'étais en train de penser naanza à la kuwaza yule nourriture. madame Hélène. J'étais en train de penser à Hélène. Tunaona mademo ya filatir. Ule esprit mimi naona anashuka kule ku montagne kule ba pasteur pale na ba intercesseur analeta plat peko pomme de terre na nyama. Mimi naanza kuli. Mimi sa ba intercesseur bako naona pa kinwa sani kuna kuria ba naona na mafuta. Pasteur ananiuliza kuna kuria mimi na sasa njala pa pena pita ba ananiletea ko byakuria. Biri mupachiaka bishilani na bainteresesere yone barikimbiaka banona mafuta me abone niko na kuria bintu kani mira monesha sema no ni ule madam njo aliniletea nini sa frere tuanze tena deliverance bananza tena maombi ni nini kurukwa maliemo alikuwa ya kachika sepo alikuwa alianza kuya alors ni nini njo ile ma, macho ya mubulozi nilikuwa shia itobola a partir ile macho njo pale nilianza kumona kisha kuna parvenir na kuya Mena sabi na kacheka kwangu mimi njo pale anaanza kufuata na wakwetu. Ni demo mwa alikuwa matata sana partir ya kile kitu alinimezeshaka. Me mama shiku nilimwambia kasi ule mwanamke shikia ni hivi ni hivi ni hivi. Mama ushiku ashikula lake alikuwa obligé le mango yote ya mwili valiza ni kabula anauza mango nyingine. Bili mupachaka boka mimi na sasa ni yeye mwenye alijendula. Bo nani anaiba munyumbo ni galaka we moyo. Bakwetu ba mumkongo wangu bote bashakolewa kabote anikala kunyumba imo nani anaiba mango. Alors c'est comme ça qu'à la montagne on était en train de me délivrer, j'ai eu trop faim. J'ai commencé à penser à cette dame. C'est comme ça que je l'avais vue, elle m'avait amené sur un plat une pomme et la viande que j'ai mangée. Les intercesseurs ont constaté que j'étais en train de manger quelque chose, ils m'ont posé la question, j'ai dit effectivement j'étais en train de manger parce que j'ai eu trop faim. Madame Hélène est venue m'apporter quelque chose à manger. Les pasteurs étaient fâchés et mes d'autres intercesseurs avaient fui. Alors c'est comme ça qu'il était dans l'obligation de commencer avec moi depuis le début. C'est vraiment une femme terrible. Au moment où il y avait encore des liens entre moi et elle, à cause des yeux que j'avais qui n'étaient pas encore troués. C'est comme ça qu'au moment où on a trouvé ses yeux là-bas, il était en train de compliquer les gens de ma famille. Waouh, vous avez entendu ça, même sur la montagne là-bas, c'est-à-dire dans la forêt où ils sont allés même pour chenille. Lui, il avait fait, il a commencé juste à penser à elle. Et tout à coup, elle est apparue avec de la nourriture physique, de la nourriture que vous pouvez même toucher. Vous-même, vous, si vous voyez, peut-être vous allez manger ça. Et elle est apparue avec ça comme ça. Comment c'est possible? C'est pourquoi il faut vraiment prier sur la nourriture qu'on mange. Le poulet, les pommes,
Tout sortes de choses. Ule dada ule karo anakuwa kuniona anasema ntuka mi kama ni baba mi ntaua hata mamangu tamuu. Caro était venu me voir en me disant, même mon père, même ma mère, je peux tuer. J'étais allé suivre mon ami qui était abbé. J'ai causé avec lui. Il m'avait donné une bague serpent. C'était la première fois de voir cette bague. C'est une bague, mais à la fin, là derrière, il y a la tête d'un serpent. Je sais que tu as un cœur dur. Je vais t'emmener dans l'eau, tu vas voir une sirène. Et si tu sers cette femme, elle va beaucoup te donner de l'argent. Pour lui donner le pouvoir que tu peux lui donner, au moins celui de Mami Wata. Même jusqu'à aujourd'hui, ces problèmes sont compliqués, je n'ai pas encore compris. C'est pourquoi c'est comme ça que j'ai dit aux hommes de Dieu, si toi tu ne t'intéresses pas au diable, mais eux s'intéressent à toi. Wow. Dans la rivière. Il y a toute une ville. Mais comme ça, tu ne t'intéresses pas au diable, mais eux s'intéressent à toi. Mumutoni. Dans la rivière, il y a toute une ville. Mais comme un sous-marin a chuka physiquement, il vit les villes là. Si un sous-marin descendait physiquement, il n'y a pas cette ville. Il y a des poissons, il y a tout ce qu'on trouve dans l'eau. Anatoche le bague ananipachi. Il m'avait donné cette bague. Asema wende pale pa Kyubo, mon chef de collectivité, umupachie mukanda yangu, juba shikuderanje. Va à Kyubo, donne cette lettre au chef de la collectivité. Sasa hii bague kama unafika pale pa Kyubo, juu Kyubo iko defu, bale washinda Kyubo banayua. Kuko mungambo mwa chef Mamba na mwa chef Musabila, pale kalaka pont inasepare, peko pont moya munene Lufira anapita hivi. Dans, à ce village là-bas, il y a deux dimensions, il y a deux postes. Il y a un pont au milieu de ces deux postes là-bas qui permet de traverser de l'autre côté. Et la chute était juste à côté. C'est dans la chute qu'il y a la sirène. La sirène qui est dans ces villages là-bas, dans ces villages, c'est une sirène qui est vraiment très puissante. Vous savez pourquoi on l'appelle sirène? Comment est-ce que la sirène est en train de crier? C'est comme ça qu'elle aussi crie. Wow. Les Blancs voulaient implanter un barrage d'électricité. Ils se sont pas mis d'accord avec elle. Alors pour que je puisse vous céder la place, donnez-moi 300 blancs et 100 noirs. Et les blancs n'étaient pas contents, ils ont voulu que ce soit 100 noirs et 100 blancs et 300 noirs. Vous savez, les blancs ne sont pas sérieux. Ils sont en train de nous voir comme des choses inutiles. Je vais maintenant vous dire la vérité. Même ma dessin, abo bana dessina comme ma religion ne tournera pas, comme on a dessiné mungu muzungu shetani mweushi. Alors même dans leur dessin, ils sont en train de dessiner un blanc représente Dieu et le noir représente les diables. C'est comme qu'ils diraient que nous, le noir, nous venons du diable. Wow. Or Satan n'est pas notre père. Il n'est même pas notre cousin. C'est eux qui ont commencé la magie blanche. La rose quoi, c'est eux qui ont commencé. Pourquoi ils aiment mettre le diable en noir comme si il était de notre, si nous venons du diable? Alors si tu arrives là-bas, tu vas trouver les maisons que les blancs ont construit, mais n'ont pas su faire les barrages parce qu'ils ne sont pas attendus sur un point. J'avais pris une Land Cruiser au service, je leur ai dit que j'étais malade, on allait me traiter traditionnellement. J'étais arrivé là-bas à 17h. Suivez-moi très bien, ça va beaucoup vous aider. Il ne faut pas
Alors il faut jamais utiliser le lait de beauté d'une de tes amies là où tu as qui a des petites boules parce qu'en te disant qu'il y a la chance. Toi tu ne vas pas dire que moi j'ai la chance. Toi tu as la bénédiction parce que la chance c'est le diable qui donne ça. Il est chapitre que je suis en. Je vais encore parler sur ce chapitre dans le culte de maman. Mafuta wa kuipakala beko ne fama ceremonie moya bana pasuria mona kariai bana weka kame ko ne pakala ego no ne kana muzuri ku bantu bote. Il y a d'autres personnes pour seulement mettre l'huile de beauté sur ton corps, il y a des cérémonies qui se passent, ils mettent des œufs et quand elle met ces produits là-bas, vous sentez qu'elle devient très belle. Il est muzuri ya kuchanda. Et cette beauté de la sorcellerie. Mais finir mubaya san. Et à la fin, elle va très mal terminer. Namu présenté le chef de collectivité le mukande ou le monsieur l'abbé. Je lui avais présenté la lettre de l'abbé. Ananichiki. Et il avait accepté. Kesho 11h mina fika pale pa pale pa kilalo ba pêcher beko na faka jabo ya pêche kuki ma pêche ba netasa mutraf. Ils étaient en train de pêcher. Déjà, j'étais à 11 ans, j'étais sur le pont, en train d'observer comment est-ce que les pêcheurs étaient en train de faire la pêche. Alors là-bas, comme m'avait donné, l'abbé m'avait demandé, quand tu es au niveau du pont là-bas, tu vas commencer à faire tourner ça. En tournant là-bas, tu es en train de signaler ta présence et la sirène va venir te chercher. Et quand elle te verra, elle va t'appeler, elle va te donner tout ce que tu veux. Et cette femme ne t'oubliera jamais dans sa vie. Église. Non, cette femme va venir, va sortir de l'eau comme ça, elle est venue sur la terre pour pouvoir juger les gars. Vous voyez comment ça va se passer? Écoutez bien. Pour invoquer, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps, tu as besoin juste de peu de temps. Vous arrivez à la rivière, je t'entends de tourner la bague. C'est comme en blaguant. À un moment donné, je voyais quelque chose qui brillait sous l'eau. Je croyais que c'était le soleil. Les pêcheurs étaient en train de pêcher. À un moment donné, Alors quand j'ai fait ce mouvement là-bas, j'ai vu la tête d'une femme blanche. Et la femme là-bas était en train de m'appeler. J'ai eu peur. Je crois que tout le monde était en train de voir cette tête là-bas. Or, c'était moi-même à cause de là-bas qui était en train de la tirer. Et quand elle m'appelait, j'ai un peu reculé parce que j'avais peur. À la fin, elle était sortie. Au niveau des côtes, il y avait des serpents qui tournaient. C'était pour la première fois que je vois une telle chose. Sur ses ongles, il y avait les vernis. Je ne sais pas qui avait mis ça. Elle a une beauté terrible. Et puis, il y a rouge qui est en train de se faire. Il y a des toques qui sont en train de se faire. Même les rouges à lèvres, il y en avait. Mais je me suis posé la question, c'est dans l'eau. Pourquoi elle a toutes ces choses? Mais ses yeux sont différents de notre, parce que ses yeux brillaient. La partie du poisson, c'est une partie qui vient au moment des évocations. Et elle a des jambes. Elle était en train de m'appeler. Elle avait cité le nom de l'abbé en me disant que c'est elle, que c'est lui qui t'a envoyé. Viens. J'étais sauté dans l'eau. Et le pêcheur croyait que je me suis tué. Nous sommes tenus à la main. En et ils m'ont suivi dans l'eau. Et j'étais en train de respirer normalement et puis je ne me mouillais pas. Avec sa queue, il avait repoussé de l'eau et tout le monde était allé de l'autre côté. Dans les villages, il y avait des rumeurs, quelqu'un est mort dans l'eau. Oh, à ce moment, lui, il est allé à la rencontre d'une sirène. Un démon. Où est-ce qu'elle est en train de faire? Waouh!
Nous sommes descendus. À un moment donné, tu ne peux pas voir le soleil quand tu es dans l'eau. Ce n'est pas une rivière avec laquelle on peut se baigner. Il y a des crocodiles, il y a des hippopotames. Ça n'avait pas de pouvoir parce que l'esprit qui est là, c'est l'esprit qui contrôlait ces histoires. Et là, il devenait un peu élancé avec ses cheveux seulement comme ça. À un moment donné, on avait touché les sols. Ananza kulalamika mimi nafunga mashikio paka vile sireni na riaka sasa tunaanza kwenda mu essence niko naona maeskalier mwa noir tunapanda maflambo ya moto niko naona samu couloir njoo kwake kunyumba sasa kule tukunene ama dole la commencé à crier comme la sirène est en comme la sirène elle fait pour sonner et j'ai même bouché mes oreilles, j'ai vu les escaliers qui montaient des torches et c'est à la maison, c'est dans sa maison qu'on allait. Kile ki esprit kilikuwa na niderangeaka sana kubushingisha. Et cet esprit me compliquait beaucoup dans mes souvenirs. C'est un esprit très mauvais. Donc là, à partir de ce moment-là, le lien avec cette femme sirène-là s'est établi. Ha! C'est-à-dire que dans sa délivrance, on doit forcément couper le lien qui le lie avec elle. Ça, c'est encore notre problème. Mena tunafika mumwisho wa couloir na kutamo muko mulango muko mtu mwingine acha kushimama iko paka saa ime mwanaume iko na mankucha milefu nywele paka saa ya bazungu anafungula mulango tunaingia ni nyumba sama nyumba ya bantu. À la porte il y avait une autre personne qui ressemblait à la sirène mais là c'était un homme et la personne là-bas ouvert la porte nous sommes entrés. C'est une maison comme toutes les maisons qu'on voit ici. Ni kinyumba kinene sana. C'est une grande maison. Kilikuwa pepri na 255 chambres. Il y avait au moins 255 chambres. Alors il ni pitia ka kichwa ile mambo et puis ni mtu moyo ba prêtre mingi bana mungu paka sana ile mapouvoir yake ashakulikabulaka na mwingine ko Lubumbashi wa mukansista tona bantu banendaka ko ba mingi yone bakabula majeton kesho ba mama tabambia vile nafaka bile bia nakabulanaka bia mabuzazi. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, elle était devenue normale comme une femme normale dans une maison. Elle m'avait demandé qu'est-ce que je pouvais prendre. J'ai demandé du whisky parce que j'avais un peu froid. Elle m'a donné du whisky, elle m'a donné un peu l'échumé parce que j'ai tremblé un peu. En tout cas, je vous dis, c'est vraiment compliqué. Elle m'avait même montré la photo de l'abbé. Je me suis dit, comment est-ce que ce monsieur se comporte? Il est connu partout. Et même les abbés, les prêtres, les craignaient beaucoup. Et à un moment donné, il avait donné d'autres puissances à un prêtre qui se trouvait à Lubumbashi et qui donnait aussi des jetons à d'autres personnes. Demain, pendant le culte de maman, je vais vous expliquer ce qu'il était en train de faire. Waouh, vous avez entendu ça, un prêtre. Une personne qui est censée être un pasteur qui fait un truc pareil et personne ne sait. Voici comment les gens sont en train de rencontrer les démons, les sirènes. Voici comment les sirènes et les démons aussi viennent encore, viennent nous visiter dans notre monde. Sans même qu'on se rende compte quand les démons et les sirènes viennent nous visiter. Ça donne quoi? Ça donne ça. Ça veut dire que nous devons être vigilants. Il faut vraiment fuir la vie de débauche aussi dans toutes ces dimensions. Parfois, ça nous envoie à rencontrer de telles personnes. Souvent, les gens ne regardent pas ce niveau aussi. Faites attention, mes frères et sœurs. Si vous voyez une fille, elle vous plaît. Vous voyez qu'elle est jolie. Ne vous dites pas en même temps qu'elle est parfaite. Il faut chercher à savoir qui elle est. Qui sont ses parents. Aujourd'hui, les gens font des trucs de n'importe quoi. Ouais, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les sorcières parmi nous. Avant d'aller toucher la fille, de coucher avec une fille, il faut d'abord te marier. C'est pour éviter beaucoup de choses que Dieu nous demande ça. Bon, nous allons sans doute en parler de la prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et soyez maintenant prêts. Ça va être chaud. Dites-nous ce que vous en pensez. Et c'est parti pour la prochaine vidéo.